Allez, on va manger les gars. Je vous ramène avec nous. Prends l'eau. Mimo, elle sort des œufs. Eh putain, en ce moment, il faut d'office pour qu'on mange à la maison, quoi. Honnêtement. Ouais. Tu peux. Est-ce que tu peux prendre le. Est-ce que c'est assez bon? Alors celui-là, je pense pas qu'il soit assez bon. Il est quand même assez. Assez proche. Hein. Vas-y, c'est bon. Un peu de sirop. Oula, dis donc. Quoi? Tu dois en boire du sirop, toi. Ah non. Ah, j'en ai jamais bu. C'est vrai, bah, il s'est vidé de fou malade. Ah non, c'est vraiment pas que je bois. Les cheveux, mama. Tu en veux? Qu'est-ce que tu m'as aplati les bouches? Ah, moi aussi. Non, il est pas à l'aise comme ça là. Bien s'asseoir là-dessus. Ouais. Putain, il est où le trou? Allez, mets tes cheveux dans l'assiette. 1, 2, 3. Attendez, on s'installe. J'ai eu peur. Ah voilà, on est mieux là. Alors, déjà, on va saler les fritas. Tac. J'ai trop la dalle. Quasiment pas mangé là. Ouais, c'est fait supprimer, j'ai le seum. Et on va goûter les frites. Elles sont trop bonnes. Ouais. Mmh. Mmh. Je les ai très bien cuites. Enfin, c'est le four qui les a cuites, mais bon. Toi, tu manges le gras du magret? Non. Ceux qui sont vraiment d'ici. Ah bon? Alors Mimo, je sais pas si ton grand-père était avec. Il dit ça. Non, lui. Pourquoi? Tu connaissais pas? Non. Putain, tu connaissais pas cette expression, quoi. Oh, je t'aime, toi. Hein? Tu as sorti tellement de trucs. Tu vois, voilà, ça. Tu vas me prendre un truc de la vie, encore une fois. Oh Mimo, ta coupe. Ah bah oui, non mais là. Ah oui, mais aussi. Mais va là-bas. Mais non, après, je vois plus tes abonnés. Mes skins. C'est trop bon. Mmh. C'est validé. Mmh. Désolée si vous allez entendre des bruits de bouche. I'm sorry. Non mais tu sais qu'à tous les repas, mais à tous les repas. Ça c'est à toi ça, les poireaux là. Arrête, ça se fait pas, je te fais des bons petits plats. C'est vrai. Oh regarde-moi ça, comment ça se coupe. Mmh. Mmh, ça fond la bouche. Mmh. Tenez une frite. Ouvre la bouche. Elles sont bonnes, hein. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on mange, je vous donne à manger aussi, hein. Qui fait pour vous, ça? Personne, y a que Bibi. Bah, y a les parents aussi. Non, mais... En tant qu'influenceur. Est-ce que t'es la seule folle? Mais pauvre, vous devez entendre tous les bruits de bouche, là. Mais moi, ça m'insupporte. C'est pas beau, pourquoi tu prends du verre? Non, c'est beau ça. Comme ça, maintenant, on voit pas assez. Pinterest, non, ça va. Non, tu les vois de bouche. Je suis pas exprès. Bah, ferme la bouche. Fermé. Eh ben, arrête de faire du bruit. Mmh. Elle fait du bruit, hein? En vrai.
que. Mais là, il est pas vexé, il est en train de faire une story. Vexé ? Oui. Je sais pas. Tu vois ? Voilà. Alors que moi, ça s'arrache tout seul, regarde. Le bout de gras qui s'arrache tout seul. Et alors ? Donc toi, tu galères avec ta viande rouge, là. Ouais, mais c'est bon. Mais moi, elles font encore plus. Hein. D'accord. Ah, ça fait trop du bien. De graille. Il y a un tremblement de terre, les gars. Maman a la difficulté pour enlever le gras autour, c'est chaud. Maman. Ça va me saouler aussi. Regarde-moi. Mimou, va falloir que t'ailles faire ton regarde, passeport. Regarde. Demain, tu fais ton passeport, Mimou. Ting, ting, ting. Oui. Je vais revenir demain, toi. Ah, en vrai, ça va pas être. Oula, t'as pas dit de mon père. Mais je l'ai appelé tout à l'heure. Avec quel numéro? Bah, le chien. Tu l'as même pas? Bah, si. Non. Si. Tu montres? Dans mon téléphone. Si je regarde et que c'est faux. Ouais. C'est fini entre toi et moi. D'accord, bah c'est fini, Mimou. Ok, bah tu prends tes clics et tes ça pour se dégager. C'est faux, évidemment, c'était une boutade. On s'en bat tous les deux, tu sais. On laisse tout là, genre. Bon, allez, au revoir. Les gens n'ont pas compris. Non. Laisse la télé, on laisse tout. Mais on paye le loyer tous les mois, par contre. Non. Moi, je garde là-bas. Pourquoi tu la gardes? Tu t'as pas gardé avec Adrien alors? Bah parce que. Parce que. Trop chelou. Bah voilà, c'est pareil pour là. Alors. Non, mais c'était un appartement qu'on avait pris à deux. Un peu. Enfin, on l'a pas pris à deux, mais. En soi, j'étais là quoi. Genre, j'aurais été pas non. C'est vrai. Ouais, mais au moins, j'en aurais déjà un. Flemme de chercher et tout. Ni tout bon. Bien. Donc, en soi. Et là, en ce moment, je cherche à acheter un château. Qu'est-ce qu'il raconte votre pote là? Une villa. Tu veux un château? Non, ça fait trop peur. Ça fait trop peur. Ah, c'est vrai, j'avoue. Mais moi, j'ai peur. Quoi? Tu m'aimes pas en ce moment. Bien joué. Ouais. C'est toi qui me plante, wesh. Talking to the moon. Oh, 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 oh. Alors non. J'ai pas la foi de manger, genre je sais pas, c'est trop chelou. T'as la flemme? Ouais. Moi j'ai la flemme de manger, je crois. Pas vénère, les gars. Hein? T'es pas vénère? Non. Mais qu'est-ce que t'as? Rien. Bon, voilà. Talking to the moon. Tout va bien, les gars. Je suis juste fatigué. Non, ça va, je suis pas trop fatigué. Non, c'est juste que je sais que j'ai un oral demain. Merde. Et voilà, je sais pas les oraux. T'as un oral de quoi? Je suis grave pas à l'aise en oral, donc voilà. Mais si, mais bon, regarde, là, tu prends la parole devant la scène. Eh, on vous voit. C'est beaucoup. Maman. Imagine. Les zéniths, ça fait 11 000 personnes. On est pas loin. Les quoi? Les zéniths. Quels zéniths? Les zéniths. Quels zéniths? Mais comment ça, avec quel? Mais il y a plusieurs des. Ouais. Ouais, ça fait combien de personnes? 11 000. T'as compris? Oui. Qu'est-ce que tu dois apprendre là? Mais qu'est-ce que tu fais? Rien. Mais qu'est-ce que tu fais? Je cherche à acheter une villa. Tu comprends pas ça? Une villa à 550 euros, je crois pas que ce soit une villa. Hein. Oh.
petit rototo. Mais elle mange, ça va être froid, ta maison, Mimo. Là, je vais te faire l'amour, tu vois. Il est con, ce gosse. Alors, je ne suis pas ton gosse. Mimo. Oui. Non, ça va me dire un cube. Oh, il est pas mal. C'est trop grand, Mimo. Il est pas mal, non. Le cube. Pour avoir connu un appart plus grand, ça fait largement ça. La Mimo. Je ne suis pas enceinte. La Mimo sans la caille. C'est quoi ce smiley là? Je ne suis pas enceinte tout de même. Les gars, j'ai 20 piges. Il y a le time. Me pressez pas. Il y a le time. La ménopause est de quoi après quand même hein? Non mais tu te calmes toi aussi là. Oh, j'ai peur. Tu vas voir, je vais l'avoir moi aussi là. Ah, excusez-moi, vous avez fait toquer quelque chose contre le mur, ça m'insupporte vraiment. Genre, je rentre dans mon acouphène, je me sens pas bien. Ça monte sur les décibels, c'est incroyable. Non, mais c'est une voisine chiante et. C'est... À vous, c'est incroyable, wesh. Ça, c'est beau. C'est beau? Ouais. T'es drôle, Mimo. Ouais, je sais. Bolos. J'ai même pas dit. Ouais, mais tu l'as pensé tellement fort. Non, c'est sorti pas. Par moi. Et en plus, on a dit pas avant le mariage, les gars, donc calm down. Ouh. J'achète. De suite. Ah, c'est magnifique la lumière là. Ouais. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Enfant. Ah non, toilette dans la salle de bain, ça passe pas. Mais il doit y avoir plusieurs salles de bain, Mimou. Non. Non, en vrai, ça va. Hein. C'est pas dangereux, Mimou. Rien, Mimou. C'est déjà froid, Mimou. Hein. Oui, bah, c'est une piscine, quoi. Bah, c'est une piscine quand même. Désolé, mais. C'est une piscine, on va se baigner chez mes parents. Hein. Non. Alors, c'est une demeure de 108 mètres carrés pour 1240. On avait dit que si on faisait un nouveau loyer, on sera à 600 euros chacun. Faites pas genre quoi. Ah non, 500, c'est vrai. C'est pas grave. Faites pas genre, pas avant le mariage, on a dit. Je rigole pas, moi. Si même vraiment, il attendra. J'attendrai quoi même? Bah, pas avant le mariage. Ah. Pêche qui peut me marier demain. On te croit, Liane. J'espère bien, oui, que vous me croyez. Wow, mais c'est qu'elle bouge. On vous croit, ben j'espère bien, oui. Moi, je rigole pas, hein. Mimo. Non, mais là, tu te fais du mal pour rien, chérie. Oui. C'était quoi, oui, oui. Putain, c'est trop bon, malgré. C'est un truc de ouf. Mangeons. Mangeons. Oh. Ah, mais c'est la maison qu'on a visitée. T'as visité ça? Ouais. Pourquoi j'ai senti un air de jugement? Non, jamais. Oh, non. J'ai ça demain. Ce serait cool qu'on ait une baignoire quand même. Ouais. On cherche déjà des baignoires. Non. Non, on cherche pas. Ouh. Ah. Allô. Allô. Comment est-ce ça? Bien et tout. Je tiens à te dire que nous sommes en live. Il y a 8000 personnes qui t'écoutent. Hein. Coucou tout le monde. Faut pas dire conneries, c'est bon. Au fait. C'est qui au fait? Les gens t'imaginent. C'est qui au fait? C'est Cupidon, les gars. Mec. Oui. Là, je suis au bout de ma vie. Hein. Pourquoi? Oh, ma meilleure amie. Non, mais attends, au fait, tu sais que tout le monde t'écoute là. Ah bon? Attends. Attends, c'est grave. Non.
De fou. Et du coup, là, vous elle sait que Léane m'a donné 3 avec ton live. Ah, mais tu regardais? Non, là, je viens de là, je suis dessus, là. Je regarde, là. Non, merde. Je suis en bouffer. Ouais, on mange des frites et du magret de canard. Comment ça me donne trop faim? Là, je suis allée à Ibrick. J'étais fermée, j'étais dégoûtée. C'est un truc de viande et tout. Ah, merde. J'étais dégoûtée. Mais t'es à l'hôtel, là? Ouais, là, je suis à l'hôtel. Putain. Ah, la vie, putain. Maman. Je t'es pas toute seule ce soir? Si, je suis toute seule là. En fait, Youssef il est parti, tu sais. T'es pas avec Yuyu? Maël. Si, là, je devais aller manger avec lui, mais du coup, on y est allé, mais c'était fermé. Ah, mais du coup, on est rentré. Mais vous restez pas ensemble? Ce serait bien que tu restes accompagné quand même. Non, il va chez lui. Moi, je rentre à l'hôtel. Bon. Ma foi. D'accord. Bon. On va écouter les petits chats, tu voulais me dire quoi, Maël? Un truc bidon en plus, c'est nul. Ah, ok, ça marche. Ouais, c'est nul. Bah vas-y, bah si, après ton live, rappelle si tu veux. Ouais. Vas-y. Vas-y, on fait comme ça. Ouais. Je vous laisse faire votre live. Bon live, les petits gars. Ouais. Merci bisous. Beaucoup. Bisous. Ah ah. Mon dieu. T'as tout mangé. Le gros tabac. Mais depuis tout à l'heure, tu fais des pauses. Non, mais moi, j'en peux plus, je veux dire. C'est ça que je veux dire. Tu veux pas arrêter tes frites, là? Si, vas-y, mange là à la fin de l'épisode. Léane, comment tu bois? Bah, normalement. Mon enfant, Maël, c'est le dawa dans ton assiette. Oui. Ça fait bizarre, déjà, on s'est déjà douché, que du coup on ressent pas la douche. Oui, moi aussi. Genre là, on va au lit, genre. Enfin, pas là. Non, mais... ça colle pas. Je vais me redoucher. Ça va faire la troisième fois de la journée. Ah, y a plus d'eau, j'ai soif. Ben bois. J'ai rien à boire. Je meurs peut-être? Non. Non, ça va, tu veux me garder encore? Très bien, vous. Non, merci. Ça va? Il est là. Il est pas bon. Il a dû me sentir passer là. Oui. C'est qui? C'est marrant. C'est une araignée. Je me demande si mon bébé. Le bébé. Ils sont cons, les gens. Fatigué un petit peu. Il faut que t'ailles. C'est quoi ton oral que t'as à faire? Hein? Oh. C'est pas compliqué, c'est. Tu veux que je passe à prendre? Oui. Bah vas-y, passe ton texte. On va faire. C'est drôle, en vrai. Oh! Pas. Wow. Mais arrête! Non, mais touche plus là. Non, t'es chiant. Ouais.
toujours plus. Allez, donc là les gars, ça va être un moment assez drôle, je crois. Ah mais c'est là. Oh mais j'ai du soif. Mimou, tu peux me prendre un yaourt, s'il te plaît. Ah mon père, tu veux quoi? Est-ce qu'il fait plaisir? Yaourt à la vanille, s'il te plaît. Il y a des trucs à la remarque, je sais pas. Dis-moi. J'ai envie de me faire un bec de dessert. Pas de faisselle ce soir. Pourquoi? Bon d'accord, ce que tu veux mon père. Oh. Fais une petite pause, tu digères un petit peu ce que tu veux manger là. Oui mais attends, le temps que je prépare tout... Non t'inquiète. Mais tu moi j'ai... un petit peu alors. Tu veux que j'en fasse un peu plus pour toi aussi? Comme ça je te donne des petites cuillères d'accord? Oui voilà c'est ça. Oui. Bon les gars, je reviens, je vous laisse avec Maëlle. Non. C'est toi qui écris? Oui. C'est tout? Oui, bah c'est comment on écrit sur? Bah oui, moi. Bah, Léa, comme si je te voyais écrire tous les jours. Oui, la dernière fois, tu t'étais moqué de moi parce que je faisais comme ça. Wesh! Ah, oh, le copiteur, je regarde. Oh, ah, tu m'as trompé. Oh, pardon. Oh, pardon, Maël. Oh, pardon, Mimou. Ah, ça va? Ça me brûle. T'es vraiment nul. T'as tapé par une feuille. Pardon, Maël, je t'aime. Tais-toi. Je suis désolée, wesh. C'est pour une écriture. Oh, le pauvre, il a dû se faire trop mal. Mimou, regarde-moi. Non, mais attends, c'est bon, tu vas pas perdre ton œil non plus. T'as pas de couilles. Allez, toi. Non, t'es beau. Oui, je sais. Bon, j'arrive. Attendez, je lève mon gros fiac. LOL, gros fiac. Eh, mais c'est qu'on est synchro, wesh. Mais je vais te tuer, putain, avec... Skin. Ce n'est que le karma. Mais toi, t'as bien la vaisselle? Non. Ouais, mais avec le mélange que j'avais fait, ça passait bien. Ouais. Wow. Mais arrête, c'est que... Mais wesh! Mais quoi? Attends, on va parler. T'as une énorme. Copine, elle me wine. Les gars, on est bientôt 2 millions de... Donc venez vous abonner. On est à Donf. Maël Platrier. Est-ce que si on marque Maël Platrier, on me trouve sur TikTok? Ouais, on me trouve. Mimou! Quoi? Wesh. Viens voir mes cheveux. Oh, wesh! Mimou, ils sont encore plus blonds que toi. Les gars, regardez-moi ça. Oui, j'ai eu les cheveux super blonds. Allez, blond! Je mélange. En 4 mois, on a gagné exactement 1 million d'abonnés.
Enfin, j'ai gagné 1 000 abonnés. Enfin, du coup, non, parce que c'est toujours ça. Oh mon dieu. Ça fait bon. Je goûte. Bon, bah. Non, non, bouche fermée, s'il te plaît, par contre, quand tu manges. Pardon. J'attends que tu me fasses apprendre. Tu vas kiffer. Alors ? J'aime pas la vaisselle. Tu es chienne, t'as. Pose ton téléphone. C'est une texture grave chelou, hein. Mm. Pourquoi t'aimes ça ? Je sais pas, c'est bon. T'es bizarre. Et alors ? Ah. Ah. T'aimes pas trop, mais un ouais, peu mais quand faut même. Me nourrir, attends. Je te nourris. Ah, j'ai craché. Allez. Ah, c'est bon, hein. Ah. Mélange du tout, c'est bon, hein. Oui. Mmh. J'explique le sujet. Mmh. En fait, on a un diapositive. C'est écrit en français. J'ai jamais dit que c'était en anglais. Tu m'as dit que c'est en anglais. Non, vraiment ah, si, pas. Ah, si, si, je t'ai. J'ai jamais dit ça. Hein. Oui, t'as dit ça. Jamais. C'est du. Alors, juste avant de me demander, c'est quoi. En fait, c'est un diaporama sur les émotions négatives. En gros, t'as la colère, la peur, la tristesse, la surprise. En gros, mon diaporama, il va défiler. Je vais tomber sur cette image et je vais devoir définir la colère avec les traits du visage, définir la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût. Et en fait, tu vas devoir dire ça. Oui. D'accord. Ah. Tu kiffes en vrai, hein. Oui. Allez, vas-y. Donc là, juste, c'est du fromage blanc avec des céréales, du miel et du sucre. Non, je crois que je dis la merde un peu sur vous. Si, alors il a le nez écarquillé ou je sais pas quoi, non, il y a pas rien là. Lis mon visage. Je t'appelle Léane. Lis mon visage, pas dis-toi, c'est quoi mon prénom. Il est là le visage aussi. Ça commence par là. D'accord. Les sourcils sont foncés. Mm. Après. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? La pâleur, la pâleur du visage. Ah! Soit rouge, soit pâle. Donc on fait tac. Et le premier, tu me dis pas? Ah merde, je croyais que c'était genre avec ça va aller avec la couleur. Visage contracté. Sourcil foncé. Visage rouge ou pâle. On fait les gestes. Non, c'est bien ça. Mais non, c'est bien. C'est hein. Non. Je vais juste essayer de faire partie par partie. Ça m'a pas aidé, non, Léane. Je te sens venir déjà. Si ça t'a pas aidé. J'aurais une meilleure note que 7 sur 20 à mon oral. Bah c'est toi, moi je te fais apprendre le début. T'avais qu'à apprendre tout le reste aussi. Hein. Uh-huh. Je rêve. Donc pour la colère, on a un visage qui cils qui sont foncés. Le visage qui est soit rouge ou soit pâle. Après. Visage contracté. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, non, t'as dit... Si, j'ai dit visage contracté, sourcil foncé, pâleur ou rougeur du visage. Après, il y a les gestes de nervosité. Non, mais ça, je vais pas le mettre. Il est où ? Le quatrième point. Ouais, c'est peut-être... Non, je vais pas le mettre. Vas-y, suivant. Pourquoi ? Parce que les expressions du visage et dans les gestes, bah, c'est... Il y a l'accélération du rythme cardiaque. Mais c'est en plus pas le visage, donc au final. Et c'est tout. Donc. On recommence. Attends, alors. On prend déjà la globalité du visage. Mm. Donc on peut remarquer qu'il a le visage crispé qui peut être. Il peut avoir le visage soit les sourcils froncés. Il n'y a pas le nez écarquillé ou je sais pas quoi ? Non. Ok, bon. Légèrement ailleurs. Les sourcils froncés. Le rythme cardiaque qui s'accélère et la respiration qui peut s'accélérer. Et gestes de nervosité. Ouais, juste gestes de nervosité. On recommence. La colère. Alors pour la colère, on peut remarquer avec crispé, les sourcils qui peuvent être foncés. Il y a 6 points. Tant que tu vois pas 6 points, c'est que ça va pas.
Oui, mais c'est pour t'indiquer. Je regarde. Allez, on continue. C'est C'est bon, mais c'est super fort. Alors, pour l'art polaire, on peut remarquer du coup qu'il peut avoir un visage rouge ou pâle, qu'il a un visage crispé, des sourcils froncés. Il peut avoir une accélération du rythme cardiaque et avoir de la respiration plus courte et des gestes de nervosité. Parfait. On refait. On peut remarquer que le visage est crispé, les sourcils sont froncés, le visage peut être rouge ou pâle, peut devenir rouge ou pâle, enfin voilà. Il peut avoir des gestes de nervosité, le rythme cardiaque qui s'accélère et la respiration qui s'accélère. Courte. Après, la peur. La peur, les amis. Quel est le plus long? Les trois premiers sont longs, après les deux derniers, regardez, les deux derniers c'est rien. Tourne. Là c'est pareil, sauf qu'il y en a un plus. Ah non, en fait, j'ai rien dit, le découpé. Il y en a 7. Là, il y en a 8. Ça fait 6, 7, 8. Ouais. Alors, la peur. Vas-y, prends. Quand on a peur, on va aller. Et c'est important de travailler ça, les amis. Restez ici, hein. Figé. Ouais, ça me va. On a le regard fixe. Ouais, ça me on va. On a la bouche sèche. Ouais. Bouche ouverte, ouais, je veux dire. Sèche. C'est toi qui l'as marqué. Ouais. On a des gestes et des attitudes tendues. Ouais. On écrit, on est comme ça. On tremble un petit peu ou des fourmillements dans les membres. Tremblements et fourmillements dans les membres. Et il y a un ralentissement du rythme cardiaque. D'accord, c'est tout. Quand on a peur, ça s'accélère normalement. Ralentissement. Ça, c'est ce qu'il y avait écrit. Donc, Bizarre cette histoire. Ouais. Là, tu as 7 points à me dicter. Je t'écoute. Alors, pour la peur, on peut avoir un visage figé, un regard fixe, souvent la bouche ouverte ou sèche. Le rythme cardiaque qui ralentit, des tremblements, enfin des fourmillements dans les membres. Et être anxieux. Crispé. Crispé, c'est tout. Et des gestes et attitudes tendues. On recommence. Le cœur s'accélère, bah oui, donc rythme. Regarde quand on regardait la vidéo avec Squeezie pour voir si leur rythme cardiaque s'accélère ou pas quand ils avaient peur. Quand t'as peur, ça s'accélère. C'est sûrement moi qui me dis rien. Il y a de la prof. Ralentissement du rythme cardiaque. Bah, je suis où votre prof, hein? Prof. Bah, c'est pas votre prof, c'est le cahier. Bah, il s'est trompé le cahier. Oui, je pense que je vais lui demander moi. Pour la peur, on peut avoir un visage figé, des yeux qui restent fixes, la bouche ouverte et sèche, des fourmillements dans les membres. On peut être crispé et un ralentissement du rythme cardiaque et des attitudes de personnes tendues. Comment on dit des attitudes des gestes et des attitudes tendues. D'accord. La colère. Oh mon dieu. La colère, on a un visage. Ça, c'est le pire. Ouais, c'est le pire. Tu reviens sur celui d'avant. Quand tu... La colère, on peut avoir un visage crispé, des sourcils froncés. On peut avoir le visage pâle ou rouge, enfin des rougeurs qu'on a. Une accélération du rythme cardiaque. Oui. Mm-hmm. Ça fait combien là? 4. Ok. On peut avoir un visage crispé, les sourcils froncés. Rougeur ou pâleur du visage, accélération du rythme cardiaque, respiration plus courte et gestes et attitude tendue. La page attitude tendue, ça c'est pour la peur. C'est Ouh. Quoi, c'est gestes, c'est quoi? Non, c'est oui, gestes de nervosité. Wesh, tu me donnes des frissons. Pourquoi? Je sais pas, ça me donne des frissons. T'en as combien là? Wouh. 6. Répète. Ah, on a le visage crispé, les sourcils froncés, rougeur ou pâleur du visage, des gestes. Comment t'as dit déjà? Pas tendu, mais. De nervosité. Gestes de nervosité, accélération du rythme cardiaque et. Souffle. Parfait! La peur.
On a un visage crispé. Figé. Figé. Visage figé, regard fixe, bouche ouverte et sèche. Ralentissement du rythme cardiaque. Geste tendu. Fourmillement. Enfin, bon, voilà. Il te reste un. Tu l'as dit au tout début. Si je l'ai dit au tout début, c'est que je l'ai dit. Non, mais t'as dit visage crispé, alors que c'est juste crispé, genre c'est pas que le visage, c'est tout. Crispé. T'es crispé, genre. Parfait. La tristesse. Vas-y. Alors, je sais qu'il y a regard vide. Regard absent, ouais. Ouais, regard absent. On a sourcil droit, ou je sais pas comment on dit. À l'oblique. Ouais, sourcil à l'oblique. On a les commissures des lèvres vers le bas. Et après, je sais pas, j'ai retenu ces trois-là. Visage sous tension. Visage sous tension. Yeux brillants ou humides. Yeux brillants ou humides, ouais. Je vais mettre visage sous machin. Sourcil à l'oblique. C'est ça, l'oblique ? Ah, merci pour la casquette. Oui, à l'oblique. Appelons l'oblique. Visage sous tension. Sourcil à l'oblique. Humide. Brillant. Humide ou brillant. Rides sur le front. Rides sur le front. Donc, ouais, je vais faire ça avant, ça encore. Sentiment d'oppression. Et pareil, un ralentissement du rythme cardiaque. Et après, le truc des bouches, c'est tout. Ah, bah, c'est bon, hein, je t'ai bougie, moi. Tu m'as pas dit la commission entre du cul. Ah, ouais, mais tu le sais déjà, ça, oui. Mimo. Alors, donc, on a un visage sous tension, des rides sur le front, des sourcils à l'oblique, des yeux humides, brillants, les commissures des lèvres qui sont. Et après, attitude, je sais plus quoi. Le sourcil à l'oblique, tu l'as dit ? Oui. Rides sur le front, sentiment d'oppression et ralentissement du rythme cardiaque. Oppression, c'est oppressé. Ok. Alors, on a un visage. Visage sous tension, rides sur le front, sourcils à l'oblique, yeux humides ou brillants, commissure des lèvres vers le bas, rythme, accélération, non, ralentissement ou accélération ? Ralentissement. Ralentissement du rythme cardiaque, sentiment d'oppression et c'est tout ? T'en as combien ? 7, mais enfin, je suis pas sûr de moi en fait. Attends. Refais. Visage sous tension, front, rides sur le front, sourcils à l'oblique, yeux brillants ou humides, commissure des lèvres vers le bas, ralentissement du rythme cardiaque. Sentiment d'oppression et. Qu'est-ce que t'as pas dit ? Sûr. Si, je l'ai dit. Sourcil à l'oblique. Je l'ai dit. Regard absent. Si. Ah non, regard absent. Donc il y a deux trucs sur les yeux. Coucou Papouch ! Il est sur le live ? Oui. Coucou ! Coucou Stéphane, on dit ! Il y a mon père. Mais papa, je vois pas les commentaires. Enfin, on révise. Enfin, je suis en train de le faire réviser là. En plus, c'est des trucs de bébé que t'apprends. T'es vraiment interrogé sur ça demain ? Oui. Bah, tu vas avoir 20 sur 20. Bah oui, mais il faut que j'apprenne tout parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a des trucs exacts à dire. Coucou Stéphane, et voilà. C'est un oral facile à faire, du coup. Donc, pour la tristesse, on a un visage sous tension, des rides sur le front, les sourcils à l'oblique, les yeux humides ou brillants, un regard absent, les commissures des lèvres vers le bas, un sentiment de rythme cardiaque qui s'accélère. T'as les 8 ? Oui. Parfait, la colère. Oh my god ! Woo ! Dans 2 minutes, elle vient frapper la voisine. Alors là, non mais c'est bon, j'ai un acouphène. Je voulais répéter combien de fois là ? Non mais c'est plus possible. Je dormirai pour vous. Ouais. Lou ? On va y aller. Alors, on rigole pas des gens qui sont agressifs. Mais un jour, un jour, on était sur un parking avec Léane. Et genre, t'as une fille, je sais pas, genre un gars, il lui a parlé, je sais pas ce qui s'est passé, il a dû avoir un embrouille. La fille est totalement hystérique. Arrêtez-le, il est en train de m'agresser. Arrêtez-le. Oh, non, mais même pas, c'était leur. Oui, il me suit et tout. C'est en trottinette électrique et la dame elle dit oh la grâce, alors que bon le mec il était loin, il était là mais arrête, mais lui il était là mais tu fais quoi là, après
limite. Mais c'est pas méchant, hein. Mais. Et du coup, il dit on m'agresse. Allez, la colère. La colère. Ah oh, putain, c'est trop drôle. Crispé. On a un visage crispé, des sourcils froncés. Vous aussi, vous en avez marre. Eh, c'est bientôt fini. Il a déjà appris tout ça. Écoute. On a bientôt fini. Pour la colère, du coup, on a un visage crispé, des sourcils froncés. C'est le visage contracté. Je sais pas pourquoi tu es crispé à chaque fois, mais. Bon, mais c'est pas, c'est la même chose. Comme tu veux. Voilà, visage contracté, sourcils froncés, accélération du rythme cardiaque, rougeur ou pâleur du visage, nervosité. Et comment ça s'appelle Hey, tu vois là la feuille. Ah non, selon pas. Mimou, je te rappelle que j'ai pas des yeux de folie donc je vois rien d'ici moi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Viens ici, je vais voir, tu vois. Hein. Je te vois. On refait. La colère. Attends, contracté. On a un visage contracté, des sourcils froncés, rougeur ou pâleur du visage, geste de nervosité, respiration courte et accélération du rythme cardiaque. Pour la peur, nous sommes figés, des yeux fixes, une bouche ouverte et sèche, des tremblements et fourmillements dans les membres, rien de suspens du rythme cardiaque. Il en manque deux. Il demande la matière, ouais. C'est du pro, c'est une matière en pro, c'est là on fait repérer les signes de tension. En fait on a des chapitres différents sur comment gérer l'accueil et tout ça, donc l'accueil des clients, le conflit des clients, et là notre chapitre des clients, du coup faut savoir repérer quand un client est content ou pas content. Pardon, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon, hein. Donc là il en manque demi mou. Alors on refait. Il a un visage fixe, non, un visage. Attends, quand il a le visage. Hein? Figé. Le visage figé. Allez, concentration, allez. Visage figé, regard fixe, bouche ouverte et sèche, accélération, ralentissement du rythme cardiaque, fourmillement et tremblement dans les membres, geste anxieux. Geste attitude tendue. Geste attitude tendue. Et? Je sais pas. Crispé. Crispé, c'est celui-là, c'est sur celui-là, crispé, d'accord. Après, la tristesse. La tristesse. Donc on a un visage sous tension, des sourcils à l'oblique, des yeux humides ou brillants, un regard vide, non. Absent. Absent, un regard absent. Les commissures de la bouche sont vers le bas, un ralentissement du rythme cardiaque. Oui. Et pression. Ouais. Allez. On fait tout. Non, attends. Si. Non, tu connais bien. La colère. Donc on a un visage contracté, des sourcils froncés, rougeur ou pâleur du visage, accélération du rythme cardiaque, gestes sèches, tremblement et fourmillement dans les membres, ralentissement du rythme cardiaque, gestes tendus et crispés. Pour la tristesse, on a un visage sous tension. Je suis à un prix tout parmi. Là. Ouais, bref. La tristesse, on a un visage sous front, des sourcils à l'oblique, un regard vide absent, regard humide et sans ou brillant, commissure de la bouche vers le bas, rythme cardiaque et sentiment d'oppression. Voilà. La surprise. Là t'apprends tout, après je vais t'interroger. Ben, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. Aussi. Non mais là tu le dis dans l'ordre. La surprise. T'as 4 traits, hein. C'est facile. Front contracté. Front contracté. Vas-y, dis-moi tous. Sourcils vers le haut. Ouais. Expression figée et bouche ouverte. Donc on va mettre expression figée, contracté, sourcils vers le haut, bouche ouverte. On recommence. Comme ça, je fais la globalité au bata. Expression figée. Mm-hmm. C'est ça. Expression figée, front contracté, sourcils vers le haut, bouche ouverte. On recommence. Visage contracté, visage figé. Front contracté, sourcils relevés, bouche ouverte. Sourcils vers le haut, encore. Ouais, c'est vrai. Encore. Visage figé, front contracté, sourcils vers le haut et bouche ouverte. La peur. Peur, tu as un visage crispé. Non, un visage contracté. Figé, non. Contracté, c'est la colère. Ah merde, tu m'as dit quoi? La peur. Ah merde, je suis pas sur le bon. Visage figé, regard.
Je suis morte de rire. C'est pas mon anniv, hein. Moi, c'est le 9 septembre. Moi, c'est lundi. Oh, c'est rien fait comme cadeau. Très bien. Voilà. Non, mais tu veux quoi, Mimou? Rien, Mimou. Un voyage en Grèce. Sérieux? Non, mais non. Non. Un visage figé, regard fixe, bouche ouverte et sèche. Ralentissement du rythme cardiaque, tremblement et fourmillement des membres, crispé et geste tendu. Parfait. La surprise? On a un visage figé, le front. Non. Contre... Bah si, d'ailleurs j'ai dit ça, tu me dis oui. Non, expression figée. Ouais, expression. Allez, expression figée, front contracté, sourcils vers le haut, bouche verte. Le dégoût. Alors, je dirais sur les yeux, sur la bouche vers le haut. Attends, non. C'est ce que je connais. Alors là, tu vas pouvoir dire visage crispé. Visage. Alors, vas-y, dis-moi tous. Visage crispé, expression figée. Expression figée, froncement des sourcils, froncement du nez, plissement des yeux et commissure des lèvres relevées. Alors, on va faire. Après ça, c'est fini, d'ailleurs. Redis-moi les... Visage crispé. Alors, visage crispé, visage figé. Expression figée. Ok, alors, visage crispé, expression figée. Alors, on va dire sourcils contractés. Froncement des sourcils. Froncement du nez. Des yeux. Froncement du nez. Oui. Il y a deux fois froncement. Sourcils et nez. Froncement du nez. J'ai pas mis de la vie un petit peu, là, quand même. Maëlle révise ses cours. Ah, c'est pas Pouch qui répond à nos commentaires. Voilà, ou d'autres personnes, il a arrobase, il dit. Crispé. Crispé, expression figée, sourcils, froncement des sourcils, plissement des yeux, froncement du nez. Alors, si tu mets ta main devant l'image. Ah, pardon. Commissure des lèvres vers le bas. Relevé. Vers le haut. Tu dis de l'aide. Allez, n'importe quoi. Maintenant, c'est l'interrogation. L'interrogatoire. La surprise. Mais tu sais qu'en plus, je vais le faire dans l'ordre. Donc en soi, ça sert à rien de la prendre. Ah, tu vas faire dans l'ordre? Bah oui, c'est un PowerPoint, c'est moi qui fais l'ordre. Ah bah, ça veut dire plutôt. Moi, non, mais si, ça m'entraîne. Non, mais si tu veux la prendre dans l'ordre, autant la prendre dans l'ordre. Ouais. C'est encore plus simple. Ok. Alors, non, tu peux continuer à papouiller dans le dos, par contre, c'est pas une option. Non, elle est pas papouille, elle est gratouille. La colère. On a un visage contracté, des sourcils fronzés. Ou pâle, on est crispé et tu ne dis rien, on a des gestes tendus. Pour la tristesse, on a un visage sous tension, un front avec un front ridé, ça se dit quoi? Ride sur le front, sourcil à oblique, regard vide absent, regard brillant, commissure de lèvres vers le bas, C'est quoi déjà? C'est... Attends, tu... On l'a fait. Visage sous tension, ride sur le front, sourcil à l'oblique, visage... yeux humides ou regard vide, commissure du lèvre vers le bas, sentiment d'oppression et ralentissement du rythme cardiaque. T'en as combien? 7. On a 8. Ah! Il y a quoi? Bah, je sais pas. Attends, je refais. Visage sous tension, ride sur le front oblique, yeux brillants ou humides, regard vide sous tension. Là, tu me racontes quoi là? Regard vide absent, commission des lèvres vers le bas. Ah, si, c'était bon. La surprise, on a une expression figée, un front contracté, des sourcils relevés et une bouche ouverte. Et pour le début, on a une. Un visage figé, non, un visage contracté. Non. Visage figé? Non. Visage crispé, expression figée, sourcils froncés, yeux plissés, froncement du nez, commissure des lèvres vers le haut. Et après. Et c'est tout? Et c'est tout? Et c'est bon. D'accord. On refait. Encore. Ça fait beaucoup là, non?
et après je te rentre aujourd'hui. Ouais, ce soir on a des familles. Ouais, comme ça rentre bien dans ta tête avant de... Allez, alors, la colère. On a, visage, on a un visage contracté, des sourcils froncés. Après vous lui mettez une note. Ou pâleur du visage, accélération du rythme cardiaque, respiration courte et gestes nerveux. Pour la peur, on a un visage figé, un regard fixe, une bouche ouverte et sèche, fourmillement des membres. Gestes tendus, ralentissement du rythme cardiaque et... Oh, il y a Christelle Lavaux qui nous demande. Oh, il faudrait qu'on apprenne la connaître. Oupsi. On revêt. Oui. Oh, non, non, refais si, pas. Si. Non, et toi, tu vas pas dire à la prof, on refait. Un point et tant pis, donc t'as moins un point. Allez, on continue. Et la tristesse. Le dernier, c'est... Attends, le dernier, c'est... Crispé, allez, t'es nul. La tristesse. C'est nul en plus. Ouais, grave. Tension, rides sur le front, sourcils alobiques, regard vide ou absent, yeux brillants ou humides, commissure de lèvres vers le bas, ralentissement du rythme cardiaque et sentiment d'oppression. La surprise, on a un visage figé, un front contracté, des sourcils vers le haut, la bouche ouverte. Crispé. On a un visage crispé, des sourcils froncés, visage rouge ou pâle, rougeur ou pâleur du visage, on va dire ça comme ça, nerveux, geste tendu ou geste nerveux, geste de nervosité, geste nerveux. Pour la peur, on a un visage figé, un regard fixe, la bouche ouverte et sèche, tremblement et fourmillement des membres, ralentissement du rythme cardiaque, la personne est crispée et elle a des gestes anxieux, nerveux, tendus. Toi, je galère, la peur, je galère. La tristesse, c'est le plus simple, genre c'est visage sous tension, rides sur le front, sourcils alobiques, regard vide absent, yeux brillants ou humides, commissure de lèvres vers le bas, ralentissement du rythme cardiaque, la surprise, on a un visage figé, le front contracté, les sourcils vers le haut, la bouche ouverte et le dégoût,